Le marché cède du terrain à nouveau en ce début de semaine sur fond de crise commerciale entre les États-Unis et la Chine. On commence ce point avec LVMH. Jefferies commence le suivi du groupe de luxe à l'achat en visant un cours de 340 euros. On suivra également aujourd'hui Airbus car le ministre de la Santé britannique a déclaré ce week-end trouver inconvenant que de grandes entreprises comme le constructeur européen souhaitent déplacer des emplois hors du Royaume-Uni après le Brexit. Enfin, on suivra en ce début de semaine Nexans qui a chuté sur la semaine dernière de près de 17%. Focus ce matin sur Air France qui n'a toujours pas trouvé de successeur à Jean-Marc Janaillac, parti après n'avoir pas su régler le problème des salaires au sein de la compagnie aérienne. Le directeur financier de Veolia, Philippe Capron, est un candidat parmi d'autres pour succéder à la direction d'Air France KLM, a estimé dimanche le ministre de l'économie Bruno Le Maire, alors qu'il faisait figure de grand favori. Anne-Marie Couderc, présidente non exécutive par intérim d'Air France KLM, avait indiqué la semaine passée espérer la nomination avant le 15 juillet. Je vous souhaite une très bonne matinée et vous donne rendez-vous à midi pour le prochain Flash.